Bon matin, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va moyen. On est vendredi le 20 octobre. Puis, Miscato, ben, c'est ça comme ben, je vous l'ai partagé hier. Mais je sais pas, je vous ai pas parlé de Vivois. Mais comme vous le savez, Cato l'a convulsé hier. Drette quand il était avec Lucas. Drette quand il était avec Lucas. Mais Sabrina est arrivée. Là, Sabrina est arrivée. Tout de suite, elle était dans le parking. Puis Lucas, tout de suite, est allé. La voir. Mais Lucas, il a agi comme. Je n'en reviens pas, mais je savais que sa friendcrie serait capable de réagir puis de rester. Ben, comment je dirais ça, là? Voyons, je cherche mes mots. Pas capoter, là. Pas stresser puis rester calme. Ouais, rester calme. Fait que. Mais c'est bien poche. C'est bien poche. Bien poche. Moi, j'avais jamais pensé qu'elle reconvulsait. On sait que ça peut arriver, mais j'avais pas pensé qu'elle reconvulsait aussi vite. Ça faisait rien qu'une semaine hier. J'aurais jamais pensé qu'elle reconvulsait. Puis je m'étais dit, de ce temps-là, elle convulse tout le temps le soir. J'aurais jamais pensé qu'elle reconvulsait. Là, mais la convulsion était 4h30, dans le fond. Puis, tu sais, Lucas a bien été là débarquer. Il dit que ça a été long, mais pas qu'il a eu à forcer, attendu qu'elle décide d'elle-même en initiant, c'est-à-dire, il tassait les jambes à l'extérieur, tout ça. Finalement, ça a débarqué, ça a bien été. Puis là, ça, je vous l'ai montré, tout. Quand il est rentré dans la maison, il a donné son gobelet, puis elle avait l'air belle en forme, là. Puis c'est ça, c'est dans son lit, ben, c'est ça, a tombé. A tombé, puis elle est partie d'une crise. Mais là, le problème, c'est que la crise a duré plus longtemps que d'habitude. Elle a eu plus de misère à prendre sa respiration bien la normale, puis de revenir plus à elle, ça a été plus long. Et là, ça m'inquiète, parce que là, ça va être un rendez-vous le 7 novembre, là. Ça va être extrêmement long, là. C'est encore dans presque 3 semaines. Puis, fait que là, je vais appeler par au CHUV, savoir si c'est mieux de laisser ça de même ou quand même monter de la médication d'ici qu'elle rencontre un neurologue. Je sais pas, là. Je sais pas, mais c'est triste. Puis là, après, toi, t'es de bons mots. T'es dans le vieux avec ton chum. Tu passes du bon temps. Tu marches. Tu vois des belles choses. Puis, quand quelqu'un m'a appelé, j'étais à la boutique de Noël en train d'attendre pour payer une décoration, pour mettre dans le sapin de Noël à Catière. Finalement, je l'ai pas prêt d'écho, je suis sortie pour aller voir mon chum, là. J'étais bien découragée. Puis, il a fallu que je me parle pour me raisonner fort, pour me dire qu'elle est en bonne main pareil, puis qu'elle va reprendre notre déçu, puis que nous, on profite de notre souper, c'est notre moment à nous. Mais, tu sais, ça a été difficile là, de décrocher, là. Vraiment, il faut vraiment que je me parle fort. Puis, mon chum aussi, on s'est dit, garde, rendu là, on va arriver 1 heure plus tard pour qu'elle va être revenue à elle. Fait que c'est son assez d'en profiter pareil, là. Mais tu sais, c'est pas, je sais pas, j'en ai besoin de déconnecter. Vous vous rappelez qu'on a fêté ma mère, c'est 80. Elle a fait une crise aussi, on était full stressé. Fait que c'est dur, on dirait quand on essaie de prendre du bon temps puis souligner quelque chose de spécial, ben la réalité nous rappelle tout le temps. Mais je suis tellement fière de mon Lucas, là, pour vrai, là, parce que je suis fière, puis ça, là, ça va aussi, mais ça va être. Être un adulte, puis comme l'a habitué, mais c'est Lucas, 11 ans, là, puis il a géré ça comme un maître, là. Mais en même temps, je savais que ça arriverait, puis qu'il était là, qu'il serait capable de, tu sais, me filmer, puis regarder le temps que ça prenait, puis là, il disait, j'appelle, tu sais, les urgences, puis c'est vraiment bon. Fait que pour ça, je suis vraiment fière. Là, Katia est levée le matin, là, il est 7 heures. Elle est levée, puis elle semble comme d'habitude, elle semble comme d'habitude, elle a date à tout prix ses médicaments. Là, je vais aller faire manger ses céréales. Mais, puis pour venir au resto, c'était vraiment hot. On a vu le coucher de soleil, la bouffe. C'est ça, j'avais pas beaucoup de choses dans mon assiette. Pour le prix, là, tu sais, mon assiette coûtait quand même 32$. J'avais juste du poulet, un peu de carottes, c'est pas de patates, rien, mais c'était bon. Ah, ça, c'est pour un bon dessert. Chacun un dessert différent, mais on se l'est partagé. Mon chum a pris un dessert au pistache, c'était vraiment bon. Puis moi, j'ai pris comme un gâteau au choco caramel, c'était bon aussi. Fait que c'était vraiment le fun. Puis après, quand on est revenu, ben là, j'ai l'air d'avoir Catou, tout ça. Puis, elle dormait par exemple, puis elle me tassait, elle voulait rien savoir. Là, dans son sommeil, elle me tassait. Mais elle avait pas voulu souper hier, mais j'ai réussi à redonner un gobelet hier soir de Pédiatre. Puis après ça, mon chum, on est monté en haut, puis on s'est fait un feu sur la terrasse, puis on s'est bercé, puis ça a été beau, c'était fun. Puis Lucas, ben là, on le remerciait, puis on était là, Lucas, il était pas encore couché, il avait pas d'école aujourd'hui, il pouvait se coucher plus tard. Et là, on le remerciait, puis il était content, c'était une bite. Le poids, elle est vraiment dans le noir, c'est drôle. Fait que c'est ça. Mon petit cœur, maman. Tout, encore une crise, hein? Oh, tu chouchou, oh, tu chouchou, maman. Est-ce que tu veux une bouchée? Non? Tu veux pas manger? Non? On essaie d'une bouchée? Oh, bravo! Bravo, ma chouette! Bravo!
Bravo! Un petit cœur. Un petit cœur à ma madame que je t'aime. Oh, encore une bouchée? Encore une bouchée? Oui, bravo! Regarde, ça, c'est ses médicaments, ils sont dedans, là, puis elle est en train de prendre ça. Ça, c'est cool. Oui, cool. Fait que là, ben, qu'elle est dans le bain, elle a bien déjeuné. Tout est comme d'habitude pour le matin à date. Fait que c'est ça, au moins, ça, c'est rassurant pour ça. Quand ça va bien, il n'y a rien qui paraît. Là, comme d'habitude, elle a pris son bain, elle est habillée, elle chante, elle mange. Tout est comme d'habitude pour là, ça c'est vraiment rassurant. Je voulais vous montrer, regarde les petits bas que j'avais achetés cette semaine au Saint-Ben. Ça fait avec son tas. Je trouve ça trop mignon. On dirait que c'était fait pour matcher ensemble. C'est pas la même marque, tout c'est drôle là. Hein, Catou? Veux-tu la musique? Hein, Catou, le bien dîner? T'as bien rentré, t'es bon. J'ai juste pris un bain, un Timbits au chocolat. Il est rendu 2h30. Ce matin, on est allé marcher. Après ça, on a dîné. Après ça, on a pris un café dehors. Puis là, moi, j'étais allée au Winners. Mon chum, il me portait au Winners. J'allais faire des commissions. Puis là, je suis revenue, puis là, je m'en vais me balancer mon paquet avec Lucas. Mais j'ai trouvé des petits cadeaux pour Lucky, parce que Lucky va avoir 4 ans demain. C'est sa fête demain. Fait que là, il y avait plein de réductions dans les affaires d'Halloween pour chien. 4 piastres, le toutou. Mais elle est 8 en spécial à 4. Je l'amène à Lucky, c'est sûr qu'il va te faire ça dans le temps de le dire, là, mais. Puis, ça me faisait du bruit. Ouais. Après ça, j'ai acheté lui. Aussi, lui était. Ok, lui, t'as 5 piastres. Là, les 10 piastres, c'est les 5. Ok, je trouve ça drôle. Puis des petites gâteries. Je sais pas si vous les aimez, mais c'est des petits os. C'est en spécial à 3 piastres. Fait que je vais mettre ça dans un sac pour Lucky demain. On va essayer d'aller le voir. J'ai acheté des os aussi. Fait que je vais faire un beau sac cadeau pour mon beau Lucky. Winners, il y avait les décorations de Noël, elles étaient sorties. Puis là, j'ai trouvé cette trop belle, la petite souris. Je l'ai achetée. L'ai acheté pour la chambre à Katia, puis c'était 8 pièces. Je pense que. Puis ensuite, j'ai acheté des belles petites boucles d'oreilles à ça pour aller avec sa chaîne émeraude, là, son pendentif émeraude. Ça devrait être pas pire. Je me suis acheté ce petit cœur-là. 20 pièces. C'est beau, hein? On se balancine par cette belle journée d'après-midi, de congé. Ah. C'est le bon, hein? Ah. On aime ça se balancer. C'est beau l'automne. Oui, Lucky va avoir 4 ans. Ouais, 4 ans déjà. Ah. On est bien, c'est vraiment fun. Belle journée. Regarde ma chaîne, mon beau petit cœur. C'est pas mal. Hein? On est revenu du parc. Katia, ça fait un peu tard, mais on va en auto manger notre crème glacée au Victoria à la gomme ballon. Ça va-tu, Katou? Et qu'à lui, j'ai un peu au basket. Ouais! Ça t'a mis tu? Non. Ça va,
T'es beau, hein? Hey, il est beau le gâteau! Tiens! Yeah. T'es bien belle! T'es contente? Ah! Hey! T'es belle! T'es belle! Oh! T'es belle! On voit toutes les dents. Hey, le kilo, je dis, il voit pis il se jette après, hein? Là, faut enlever ton gilet, hein, par exemple? Ouais! Ouais! Ben, c'est tard, ça, ça trouve ça. Ben. Ouais, tu veux pas laisser du vent? Non. Non, c'est pas tout. Coucou! Lui, je vois, là, pis il s'attaque. Oh, oh, c'est elle qui fait ça. J'arrive pas, par contre, à aller. C'est bien belle! Oh, merci, Lucky. Ouais. Il va chercher là. Chaque jour, il part, personne n'y retourne. Hey, t'es gâtée! Dans le sac! Sors les deux. Ouais! Pas pour gagner, bon? T'es trop cute, ma chouchou, mm-hmm. d'amour! Oui, oui! Wow. Pourquoi tu restes là? Ok, t'es content? Oui! Bonne fête! Bonne fête! Bye.